Alléluia. Êtes-vous prêts à la guerre? Amen. Amen. Alléluia. 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 Alléluia, la Jésus. Alléluia, la Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous aimons le Dieu de William Branham. Son nom est Jésus-Christ. Il est capable de voir dans le noir. Il est capable de voir par où l'ennemi approche. Amen. C'est l'arme que Dieu a laissée à l'Église. Le discernement des esprits. Amen. Ne le perdez pas, sinon nous en finis. Le discernement, c'est comme la DGCE ou la DR ou n'importe quelle, ou la CIA ou le KGB. Quand un État n'a plus de service d'intelligence et de renseignement, cet État est infiltré et il est fini. Est-ce que vous êtes là? Fermons les yeux. Fermez aux yeux, lui le Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous sommes venus ici ce matin pour commémorer ta résurrection. Nous voulons simplement ta présence ici, Père. C'est pour cela que nous nous mettons debout maintenant pour commémorer à tout esprit qui est contre au Saint-Esprit et lui donner cet endroit qui est dans les lieux habités au nom de Jésus-Christ, Père. Et que la puissance du Saint-Esprit soit dans ces lieux pour anéantir toute la puissance de l'ennemi. Nous proposons simplement la victoire à Jésus-Christ et les défaites de Satan au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à tout esprit de fatigue, de maladie, de faiblesse, peu importe son origine, au nom de Jésus-Christ, nous libérons cet endroit d'aller la réunir sa vie. Cet endroit a été consacré pour la prière et pour la parole. Par lequel la puissance de maladie est anéantie, par lequel nous avons reçu la vie et le pardon de nos péchés. Nous remettons maintenant cet âme entre les mains de Jésus. Amenez-nous la réunion de la Christ, Père, car c'est là où notre position. Merci Père pour ta grâce et pour ta bonté. Nous remettons cet âme entre les mains pour la gloire de ton nom et la grâce de ton royaume. Nous te prions ainsi et nous prenons contrôle de cette salle. De chaque corps, chaque esprit, chaque âme, que tout cela soit assujetti au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sur les ailes du colonne. Amen. Tu as tes mains dans l'air parce qu'il va t'envoyer son signe. Pas de main, maintenant. Il va te l'envoyer pour te dire je ne t'ai pas oublié.
céleste, créateur des cieux et de la mer, donateur de tout don excellent, libérateur, attitré des enfants d'Israël, selon qu'il est écrit que le libérateur viendra des Sion, il détournera de Jacob ses impiétés. Le libérateur est arrivé de Sion. Il a délivré Jacob. Il a libéré Jacob de toutes ses détresses. Lui qui a créé les cieux, il peut voir et entendre. Il a brisé le joug de l'Égyptien. Il a anéanti l'arme et les armes de Pharaon. Il a brisé l'orgueil du taureau des Basan. Il a anéanti Moab et le plein des enfants d'Amor. Il a livré le roi des Sept et des Phéréziens à l'interdit. Il a possédé le plateau et les collines des Phéréziens. Il prit possession des bons, l'héritage qui fut déchu à Josué. Il a brisé l'orgueil de Philistins lorsqu'il a néanti Goliath dans la vallée de Soco. Il a néanti de puissantes armées des Assyriens au temps du roi Ézéchias, lors du siège de Jérusalem. Assyrie fut brisée. Il a anéanti des armées puissantes dans le séjour des morts. Il avait pris les clés de la mort et de séjour des morts. Il a dépossédé Satan de son instrument de prédilection. Il a rendu la clé de la vie du royaume des cieux à Pierre. Lorsqu'il sortit du tombeau, il posséda les cieux de Dieu. Pour nous tenir à l'écart,
sois présent pour nous conduire. Du début à la fin. Merci. Merci pour le signe éternel. Amen. Puisse la colombe défiler encore. Amen. Puisse la colombe se poser, Seigneur. Puisse-t-elle se poser sur les fils et les filles de l'obéissance. Et que nul ne regrette d'avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Que nul ne regrette d'avoir cru en son message. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le verset 16, je crois.
Jean 17. Les 70 revinrent avec Jean. Bah, 70 disciples, y a Yesu, bah, Zongi, na Esengo. Disant Seigneur, Koloba est un Kolo. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Mili, mon mabé, bah, t'as aussi mis sur la Kongo, na Yu. Jésus leur répondit, Yesu, y a non, y je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Na mon ami Satan, na Koukwe, y a ou na Lola, le Kola, mi kale kale. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Car si, bon, c'est pour la carapé. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Puisque le Seigneur a jeté les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez s'asseoir. Je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. De quelque chose, mais j'aimerais auparavant fixer votre pensée sur la manière de le recevoir. Est-ce que vous êtes là? Un jour, le prophète William Branham était en train de prêcher. Il avait prêché un certain sujet où il parlait de la colombe et du corbeau. Il montrait que la colombe était un oiseau pur qui avait de l'huile en lui. Et cette huile pouvait rendre son plumage propre. Et que la colombe n'avait pas d'huile pour manger du charognard, c'est-à-dire des choses pourries. La colombe ne mange pas des choses pourries parce qu'elle n'a pas de bile pour digérer cela. Si elle essaie de manger quelque chose de pourri, cela nuirait gravement son estomac et elle pourra en mourir. Contrairement au corbeau, qui lui, il peut manger à la fois des choses pures. Il peut aller manger aussi de la charogne. Est-ce que vous êtes là? Des choses pourries, sans que cela puisse lui faire aucun mal. Est-ce que vous êtes là? Alors le prophète prêchait sur cela. Quand la réunion s'est terminée, un frère est venu le voir. Il dit, ah, frère Branham, je bénis le Seigneur. Parce que tu as parlé de moi. Oh, il dit comment? Moi j'ai parlé de toi? Il dit oui, frère Branham. Quand tu parlais du colon, en tout cas j'ai vu que c'était moi. Parce que vous êtes là? Alors il y a un deuxième qui est sorti de l'église, c'est fini. Il dit frère Branham, comment tu as osé parler de moi? Il dit mais pourquoi? Il dit mais tu as dit que je suis corbeau. Ah. Alors, l'homme, lui, il s'est identifié au corbeau. Un autre, il a voulu s'identifier lui-même à la colombe. C'est un choix. Est-ce que vous êtes là? Donc, j'aimerais que chacun de nous puisse faire un choix. Parce que nous allons parler du corbeau et nous allons parler de la colombe. Mais quand on parle de quelque chose qui est dans la parole, vous avez la possibilité de faire un choix. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je crois que tout le monde a compris. Et aujourd'hui, je continue sur une petite exhortation que j'ai prise depuis le vendredi, que j'ai intitulée « Restez en place ». Parce que j'ai bientôt fini de parler de l'ordre, je vais bientôt finir
parce que j'attendais que tout le monde soit là pour vous proposer des personnes qui pourront vous conduire à mes côtés, bien sûr, pour l'année qui commence. Parce que quand l'année se termine, tous les offices de l'Église sont réputés démissionnaires. Est-ce que vous êtes là? Et avant de pouvoir le faire, je pensais que l'Église devait savoir comment je vois les choses, comment je conduis les choses. Parce qu'à l'Église de la Vallée, comme dans toute œuvre de Dieu, on doit avoir une seule tête. Est-ce que vous êtes là? Parce que les yeux se trouvent sur la tête. C'est là où il y a la vision. C'est là où il y a les oreilles. C'est là où il y a la bouche. C'est là où il y a les organes qui perçoivent ce qui arrive. Frère Branham dit que vous ne pouvez pas avoir des vies spirituelles plus élevées que celles de votre pasteur. C'est des conseils de la parole que je devais partager avec vous. Nous devons voir comment nous devons prendre les messages, les dons, nous en avons parlé. Comment nous devons marcher dans les offices, que le huissier, le diacre, comment les membres de l'Église doivent se soumettre aux anciens. Un ancien, c'est par rapport à l'âge chronologique dans la parole et dans l'Église. Est-ce que vous êtes là? Et comment les conducteurs doivent être des modèles et faire preuve de beaucoup de délicatesse et de douceur dans la manière de conduire le peuple de Dieu. Je crois que j'aurai des réunions avec les hommes, avec les femmes. Hier, j'ai eu une conversation avec le frère. Non? J'ai eu pas mal de questions. Alors, je crois que même les sœurs ont des questions. Nous aurons une réunion. Je précisais une chose vendredi, quand je disais que nous devons faire attention à ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, par exemple, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Mais si vous regardez cela, dans la compréhension de beaucoup de gens dans le message, ils pensent que cela signifie « Sœurs, soyez soumises aux frères. » Donc beaucoup de gens pensent comme ça. Donc comme si les frères sont les chefs des sœurs. Je vous dis que c'est une erreur. Ça c'est la coutume kassaïenne. Amen. Je dois être sincère parce que je ne crois pas dans l'égalité homme et femme. Non. La Bible dit que la femme, c'est un être faible. Vous voyez? Mais la Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari. Que cela s'entende bien. Et je donnais l'exemple justement d'un petit garçon. C'est le fils d'un pasteur. À table, ils étaient en train de manger. Le petit frère dit à la grande sœur, il dit, donne-moi la cuillère là. Oh. La grande sœur me dit, mais pourquoi tu me parles ici? Il dit, la Bible dit, femme, tu es soumise à ton mari. Alors la maman intervient. Il dit, toi, ta sœur, c'est ta femme? Voilà la compréhension du petit. Ta grande sœur n'est pas ta femme. Elle n'a pas à se soumettre à toi. Non. Si vous voulez, dans la coutume, bon, que vous soyez chef de famille, attends, quand vous allez grandir, quand vous allez devenir peut-être sorcier, vous serez le chef de la famille. Mais quand vous êtes là, chef de l'église. Un petit frère à moi du village m'a appelé un jour. Oh non, on me laisse les responsabilités de la famille. Oh, ici, moi j'ai la,
Je dis, tu as la responsabilité de qui? Je dis, toi, tu as la responsabilité sur moi. Je ne suis pas de la joie. Tu vas avoir des responsabilités sur moi déjà comment? Et puis toi, tu n'as pas mon âge. Si tu es sorcier chef de famille là-bas, c'est ton affaire. Tu n'es pas mon chef. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pourquoi même nous, on n'est pas très 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 réunis, on réunit des clans, des cousins, des gens qui se réunissent. Faites attention à des choses comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu ne connais pas l'ordre du jour. Amen. On te dit qu'il y a une réunion. C'est quoi l'ordre du jour? On va te dire non, parce que toi, il est là, mais écoutez, c'est ça l'ordre du jour. Ça, c'est l'ordre du jour officiel. Mais officieusement, tu ne sais pas à quoi tu vas t'engager. Quand quelqu'un met un truc qu'on doit cotiser, il n'y a pas de problème, on doit en tirer. Si je trouve que je vais te voir, parce qu'il y a une fête, quoi tu m'invites, je trouve que ça va, tu viens. Mais des réunions, pourquoi faire? Faites attention. Vous allez signer un engagement que vous ne savez pas. Vous allez voir que vos enfants commencent à avoir des problèmes. Vous dites non, c'est toi qui nous les as donnés. Oh, tu sais, nous, dans notre clan, tous les enfants, quand ils ont 15 ans, en tout cas, normalement, ils doivent mourir. Mais on va voir, nous, on va quand même un peu voir comment on peut l'adapter ici en Europe. Toi, tu dis adapter, oui, adaptez-le. Parce que vraiment, c'est pas bien. Et puis la réunion se termine là. Toi, tu as dit adapter. Tu n'as pas dit que tu refuses. Tu n'as pas dit que je ne veux pas. Pas mes enfants. Tu n'as pas prononcé ça. Comme tu as été à la réunion, ça signifie que tu as accepté. Tu as accepté. On va adapter seulement la mort. En Afrique, ça peut être une mort par la foudre. Ici, ça peut être une mort, on le crase. Par un autre. C'est toi qui as accepté. Frère, je vous dis ces choses pour que vous compreniez. Amen. Que le monde tel que nous le voyons, il n'est pas toujours ce que nous pensons qu'il est. Amen. Vous pouvez regarder la ville de Liège, vous voyez Liège que vous connaissez ici. Ou vous regardez Paris, vous pensez que Paris c'est ce que vous voyez là. Non! Il y a un autre Paris qu'on appelle Paris by night. C'est là où se prennent toutes les décisions qui engagent Paris. Même pas le Parlement. Ce ne sont pas les Parlements ici qui décident. On nous trompe, c'est pas vrai. Les décisions se prennent ailleurs. Moi, j'ai suivi un documentaire où les gens d'une certaine loge, je ne cite pas le nom, ils se sont réunis. Ils disent, bon, écoutez, est-ce que... Frère, il s'appelle aussi frère. Il dit, bon frère, toi tu es... Est-ce qu'on a suffisamment de frères au Parti Socialiste? Et suffisamment de frères aussi chez le ULP? Ok, regardez si le nombre est important. Comme ça, vous devez passer ce texte-là. Alors que les frères suivent la consigne. Donc ne suivez pas vos dirigeants-là. Il y en a qui ne le voient pas même. Donc, vous allez voter le mariage pour tous. D'accord? Que vous soyez républicains, ne vous opposez pas. Les réunions se passent ailleurs. Je subis ça. Et puis on va nous tromper. Non, c'est la démocratie. Non. Donc un chrétien est un homme averti. Amen. Amen. Vous faites des choses en connaissance des causes. C'est pourquoi restez en place. Donc je prêchais toutes ces choses pour que l'église soit dans l'ordre. Et nous prenons la Bible ici parce que les Égyptiens étaient sous la conduite de leur pasteur qui s'appelle Moïse et qui les a sortis de l'Égypte pour une destination. Parce que quand vous venez ici, c'est que j'aime bien dans la parole. C'est que la parole vous dit où elle vous amène. C'est pourquoi j'aime Jésus, c'est clair. Il dit, suivez-moi.
Si tu crois en moi, nous irons au ciel. Chez Jésus, c'est clair. Et la destination, c'était Canaan. Comme ici, quand vous venez, je vous dis, la promesse, c'est que vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. C'est la garantie pour aller au ciel. Et Dieu vous donnera la victoire sur les esprits qui vous dérangent. Si vous croyez sincèrement, le Seigneur vous donnera, un, le royaume des cieux et sa justice, ainsi que toutes autres choses qui feront l'objet de vos prières et de vos besoins ou désirs. Est-ce que vous êtes là? Alors nous commençons à marcher. Quand vous allez chez les pentecôtistes, on va vous dire, non, venez à, viens à l'église, Jésus va te donner de l'argent, tu vas devenir riche. C'est ce qu'eux, ils vont te promettre. Mais Jésus va te promettre d'abord le ciel. Il va te promettre de te délivrer. Amen. Et nous voulons que l'église reste en place. Mais pourquoi? Parce que la Bible prévient qu'il se glissera parmi vous des hommes dont la condamnation est écrite, était écrite depuis longtemps. Bon, maintenant j'arrive là pour parler du tombeau et de la colonne. Maintenant vous ne me dites pas, pasteur, tu veux dire que moi, moi je veux dire que toi, tu es un fils de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi je crie. Parce que je crois que tu es un fils de Dieu. Mais j'ai l'obligation de t'avertir. Amen. Comme ce matin, vous m'avez vu me lever ici. Il y a quelqu'un, un esprit qui se glisse ici. Mais qui est supposé être l'esprit de quelqu'un qui est de nôtre? Et malheureusement, il n'est pas de nôtre. Vous voyez? Mais nous prêchons pour que vous, vous puissiez être avertis. Maintenant, regardez. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, non, la prédication Apocalypse, chapitre 4, première partie, prêchée le 31 décembre 1960. La guerre, virgule, la mise en place de la grande bataille. Les hommes ont rejeté le messager de cet âge, le Saint-Esprit, celui le message de cet âge. Au paragraphe 110, l'Église a rejeté quoi? Le Saint-Esprit, qui est le message. Il n'y a plus d'autre espoir. Ce qui reste, c'est le jugement. Ils n'ont pas rejeté les brochures. Ils ont rejeté le message. Est-ce que vous êtes là? Ils ont les brochures. Ils ont la Bible. Mais ils rejettent le messager. Ils rejettent le message. La personne qui nous avertit. S'il n'était pas ici ce matin, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Parce que la personne est venue de très loin pour venir de nous ici. Vous voyez? Elle n'est même plus de nôtre ici. Elle n'est pas ici d'ailleurs. Mais elle se permet de venir. Je sais ce qu'elle veut. Amen! Nous remercions le Seigneur pour le messager. C'est pourquoi je vous ai dit, gardons cela précieux. Gardez l'onction. Gardez le signe éternel. La colonne de feu. Gardons le Messie. C'est pourquoi je prêchais aussi sur le Messie. Maintenant, regardez. Les hommes l'ont rejeté. Mais l'Église de la vallée ne commettait pas l'imprudence de le rejeter. Amen. Maintenant, regardez. Dans la prédication, l'Église passera-t-elle par la tribulation? On peut lire ça, sans on peut lire. Au paragraphe 13. Frère Paul dit, quand il y a
de trouble, du désordre. Vous avez trouvé? Quand il y a des troubles et des désordres dans l'église, qu'est-ce qui peut arriver? Paragraphe 13. L'église s'animera-t-elle par la tribulation? Prêché le... En 1958, c'est quoi la date? Faites vite. Aïe, aïe. Le 9 mars 1958, paragraphe 13. On y va? Bien. Madame, il y a un trouble parmi les gens. Mon boulot, les amis tellement critiques dans le bateau. Il est tout simplement difficile de chercher à avoir un réveil. Et ça n'est pas si connu quand même qu'on a la marée. Les églises sont très divergentes. L'Église, Basaline, n'a pas peine. Elle se dispute à cause des barrières dénominationnelles. Amen. Vous voyez? Amen. Il y a des trous, du désordre dans l'église, au point qu'il va devenir difficile d'envisager un réveil. Alors je disais ici le vendredi que les troubles et les désordres, j'ai déjà parlé, c'est quelqu'un qui quitte sa place. Un frère qui veut prendre la place du pasteur, ou une sœur qui veut prendre la place du huissier. Le huissier veut prendre la place du pasteur, le pasteur veut prendre la place des gens. Est-ce que vous êtes là? La femme veut prendre la place de l'homme dans la maison. Ça va engendrer des troubles. Et quand il y a des troubles, la parole de Dieu dit qu'il est difficile d'avoir le réveil. Le réveil, c'est quand l'Église est sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Quand la lumière, cette colonne de feu, se dresse devant le peuple voit où il va, les esprits sont dévoilés, le péché est dévoilé, les hommes et les femmes se répandent. Vous voyez? Ils cherchent le Saint-Esprit. Les gens sont constamment en train de se repentir. Amen. Amen. Ils prouvent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils cherchent à l'arranger. Maintenant, nous voulons que cela reste. Mais quand il y a des désordres, mon Dieu, Frère Branham dit qu'il est difficile d'envisager cela. Dans la plus grande bataille jamais livrée, au paragraphe 49, le prophète dit, l'armée de Dieu, c'est-à-dire la lune, les étoiles, tout ce que Dieu a créé, il dit, si la lune quitte sa place et descend vers la terre, le niveau des océans commencera à monter. Vous voyez, cela va provoquer la marée haute. Cela va engendrer des inondations. Alors il regardait, il pleurait. Il dit, mais depuis que Dieu a créé le soleil et la lune, les étoiles, chaque astre, chaque luminaire reste à sa place. Il n'y a que les hommes et les femmes qui ne peuvent pas tenir et rester à leur place. Quand on t'a dit que tu es vase, reste à ta place. Quand le Saint-Esprit te dit que tu es huissier ou diable, reste à ta place. Et moi devions faire pour maintenir cet ordre. Est-ce que vous êtes là? Cet ordre, nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre. Quand il y a des disputes
entre nous, l'esprit qui est entré ici ce matin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous frapper. Il va frapper les enfants. Il va nous frapper. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas le temps de le voir venir. Vous n'aurez pas la possibilité de vous lever pour vous battre contre lui ou contre eux. Alors, que dit la Bible ici? La Bible dit, pour cela, dans cette guerre, nous aurons besoin d'une chose. Et j'insiste. Premier saut, au paragraphe 135, 34, très vite. L'ennemi, quand il s'est glissé, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne viendra pas avec des troubles humainement parlant comme ça. Il peut vouloir être gentil, il peut vouloir être normal, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi frère Branham dit, il dit, quand vous observez un homme, il dit, quand quelqu'un est trop pieux, il dit, il faut le surveiller. Il dit, quand vous voyez quelqu'un très pieux, il dit, tenez-le à l'air. Ce n'est pas un homme normal. Ou une femme normale. Parce qu'un être humain normal, vous allez voir, il va avoir toujours parfois des petites choses. Une humeur ou une petite colère ou une petite réaction, alors vous allez tout le temps en train de le corriger, de l'aider. Amen. Mais quelqu'un très pieux, Kéba, c'est quelqu'un qui n'est jamais combattu parce qu'il est en mission. Les espions, quand Israël envoie des espions quelque part, on peut lui dire, bon, toi viens, tu vas espionner l'Argentine. Bon. Ok, sortez là 2 millions de dollars. Ok, donnez-lui. Tu seras un grand boulanger en Argentine, d'accord? Alors tu vas bâtir une entreprise, et puis tu feras ceci. Tu vas approcher le président, et puis tu vas nous dire l'Argentine collabore avec qui? C'est ça sa mission. Vous allez voir qui débarque. Oh, les investisseurs, ils vont venir, ils vont investir dans le domaine de la minoterie, publicité. Il a été reçu à l'audience par le président. Riche. Espion. Vous voyez, lui n'est pas combattu, il ne connaît pas. Nous, pour acheter des choses, on doit se battre pour payer les factures. Mais non, lui, on lui a tout donné. Prends maintenant Israël un peu comme le diable. Cet homme-là, c'est un agent du diable qui n'a pas de problème comme toi. Le problème d'argent, toi, tu dois te lever à 5 heures du matin. Lui, non. Il est devenu riche. Et puis, on lui a donné ça comme espion, mais comme il est espion, c'est aussi son argent aussi. Les choses que je vous dis, vous pensez que c'est de la fiction, c'est la vérité. C'est la vérité. Dans le monde spirituel, le diable va chercher quelqu'un. Il dit, bon, toi tu seras très bon. Tu entends? C'est comme ça les flics, les gens, les policiers font ça. Quand ils vont arrêter quelqu'un, ils disent, bon, ok, Thierry, ben écoute, c'est qui fait le gentil? Toi qui fais le gentil? Ok, moi je vais faire le méchant. On y va. Toi, on, monsieur, madame, tu es arrêté. Bon, qu'est-ce que je fais? Laissez-moi. Non, madame, pourquoi? Et puis l'autre arrive. Oh, attends, Thierry, qu'est-ce qu'il y a? Non, madame, explique-moi. Ah oui. Non, monsieur, bon, écoute. Non, mais Claudia. Non, moi je viens de la RDC, c'est quelqu'un qui m'avait pris. Bon, cette chose-là, c'était à moi. Donc, je veux vous dire la vérité. Alors, tu dis la vérité. Ok. Ça. Puis ils arrivent là-bas. On s'est tous sur vous. Simplement. Thierry et Roger. Le lendemain, peut-être qui fait le méchant, ça sera le tour de Roger. Donc, ils savent le faire. Amen. Il est bon. Cette bonté, c'est pour attirer ton attention. Cette gentillesse, c'est pour attirer ton attention. Il est irréprochable. Mais, avec les yeux naturels, nous pouvons ne pas voir. Mais il y a d'autres yeux. Amen.
prêché en 1963, le 18 mars, au paragraphe 134. Écoutez. Maintenant. Si croyez-vous. Rappelez-vous. Bon, il est là. Ce n'est pas la Russie, non. Et la Russie, mais comment la Russie? L'Antichrist, c'est un type mieux. Antichrist, à ça, vous comprenez, mielleux, c'est-à-dire à ça, il dit bon, doux. Regardez bien comme il est mielleux. Bon, là, n'est-ce pas, il est mon maître en jolivet. Il est intelligent. Oui, il est intelligent. À ça, ma mielle. Oui, il n'y a que le Saint-Esprit. C'est le seul qui puisse l'emporter sur lui. Amen. Pour le démasquer, celui-là ou celle-là, mon ami, Ata Osui, nous on a étudié la psychologie. Je peux étudier sa psychologie, tu n'y arriveras pas. Pas un but, c'est que je dois te déclarer pur.
quelqu'un, il commence d'abord par les capter un peu du système. Il les capte un peu du système. Il prend Jean-Baptiste. Il dit, si je te laisse avec ton père, tu vas devenir pharisien. Il le prend à l'âge de 9 ans. Il l'amène dans le désert. Il dit, Jean-Baptiste, le Messie, je vais te donner un signe. Ça sera une colombe qui descendra sur lui. Ce signe-là, tu ne l'entendras pas dans aucune autre église de son époque. C'était un signe spécial pour quelqu'un qui a été appelé dans le désert. Dieu ne peut pas vous donner le signe s'il ne t'appelle pas dans le désert. Papa,
différent pas par rapport à la parole, mais par rapport à ce que vous voyez habituellement. Mais néanmoins, si vous prenez la Bible, vous allez trouver ça. C'est pourquoi vous, que votre foi ait un fondement, c'est cette parole.
maladie. Si tu es toujours sincère, il arrivera même que tu connaîtras le secret de leur cœur. Deux signes qu'il a donné à frère Branham. Vous voyez? Mais lui, il était parti pour que Dieu enlève. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Oh, tu vois, frère, bon, moi je trouve que ces histoires de colonnes de feu, ces histoires, tu vois, oh Dieu m'a parlé, oh Dieu a dit, frère, il faut faire attention, parce que tu sais, il n'y a que le prophète. Frère, les mêmes esprits, et c'est des gens pieux, c'est pas des pécheurs qui disent ça, des frères, des gens pieux. C'est pourquoi je dis à l'église de faire attention. Amen. Maintenant, regardez. Il n'y a que le Saint-Esprit. Donc, la Bible dit clairement, il n'y a que le Saint-Esprit. Le seul. C'est ce que Frère Branham dit. Maintenant, avançons. Prenons la prédication. Il y a ici plus que Salomon. Prêché le 25, je crois, juin 1958. Au paragraphe 18. Restez en place. Le diable viendra pour te déstabiliser. Oh non, ne croyez pas ces choses-là. Vos surnaturels, là, vos histoires, laissez, laissez. Ça va vous bouger. Quand je dis place, ce n'est pas la place où vous êtes assise là. Votre position. Amen. En Christ, dans ce message, dans le Saint-Esprit. Ne bougez pas de là. Par où vous traitez Jésus de Belzébul? Par les docteurs de son jour. Et c'était qui? Les docteurs. Des grands enseignants de ce jour-là. Oui? C'est-à-dire des théologiens. Bah, théologiens. Ils avaient réprimandé la ville dans laquelle ils venaient de prêcher. Ah! Par contre, nous disons, hier soyez à telle contre ville, voilà pas besoin de demander. Et il avait accompli des signes, des miracles. Mm-hmm. Comme nous l'avons lu l'autre soir sur ce qu'était son ministère. Le ministère naïe. Comment il pouvait discerner les pensées du cœur par l'Esprit de Dieu. Discerner ma pensée à cœur. Non, c'est là. Les membres d'église de son jour pensaient qu'il était un liseur de pensées. Ma membre d'église, il y a beaucoup de gens qui ont dit la magie, la crise. Ou qu'il était une espèce de sorcier, quelque chose comme ça. Ou bien, à sa vie sorcier, à sa kintoki, à sa magie. Ils ont même traité l'esprit malin, vous voyez. Bon, ils ont traité le mot à Satan. Notre Seigneur l'a a dit. Quand la puissance va qui? Si vous dites cela de moi, sans qu'il n'y ait pas de vie dans la langue, je vous pardonnerai. Mais un jour, le Saint-Esprit viendra. Mais pour que le mot, pour lui, mon sang, pour lui, à ce moment-là, il fera la même œuvre que je fais. Les églises, ce sont des groupes, mais c'est aussi des gens.
Il y a toujours deux catégories. Amen. Il y a l'église naturelle. L'église Yamoussouni. Il y a l'église spirituelle. L'église Yamoulimou. Les deux évoluent ensemble. Nous sommes malés. Nous allons ici comme encore. Car il n'y a aucun moyen de les séparer. Moyen de séparer les athées. Comme Jésus a dit. Lequel a été sur le maquis. Un semeur sorti pour semer des semences. Semeur, mon père, il n'y a pas de semences. Il a semé une bonne semence. A tiré mon père comme un et un ennemi a semé de l'ivraie. Mon mouna a lié, a tiré mon père m'a payé. Le cultivateur qui était le pasteur. Cultivateur, on est allé pasteur, mais on est l'église. Aux hommes, Dieu vient, il envoie des gens une bonne semence. Souvenez-vous, ce pays, il envoie aussi ses espions. Hein? Donc le pasteur, maintenant, c'est le cultivateur. Vous arrivez, vous avez une famille, la maman est spirituelle, le papa, Satan. Ou la maman, papa, très bien, leur grande fille, diable, Satan, sorcière. Si toi tu es pasteur, tu vas faire quoi? Oh bon frère, bien-aimé, vous pouvez rester. Votre fille, je ne veux plus la voir ici. Quelqu'un qui vient de venir à l'église, vous lui dites ça. Vous pensez qu'il va venir? Si vous arrachez l'ivraie, vous allez aussi arracher le blé. Frère, si vous n'êtes pas appelé à être pasteur, vous allez faire des dégâts. C'est ce que frère Branham dit. Il dit le pasteur, c'est le cultivateur. Il regarde. Il regarde. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dieu te parle. Il te montre dans la parole de Dieu. Ok, on évolue. Il n'y a pas de problème. Un jour, cet enfant va avoir 22 ans ou 25 ans. Elle va se marier. Tu commences à prier, Seigneur. Envoie-lui un mari qui vient, je ne sais pas d'où, je ne sais pas de la République d'Angola, comme ça il prend une part là-bas. Ou il vient de la RDC, vont là-bas. Mais il travaille à l'ONU, il a beaucoup d'argent, comme ça je suis à Bamima et ce mois. Alors, vous pouvez le parole, pasteur, notre fille a trouvé un fiancé. Il est où? À l'église! Ah non, pas à l'église, pasteur. Il est. En Yougoslavie. J'ai dit, oui, il y a quelqu'un qui est. Oui, vite, oui, pasteur. Oui, oui, en tout cas, Kendeko est. Non, qui? Il sait, on ne va pas faire ça. Pour qu'elle parte. Bon, là, c'est dans le cœur. Pas dans la bouche. Dans la bouche. Ça va. Hein? Les choses vont se passer comment? Ah d'accord, c'est au mois de juin. Ah ok, ça va. Mais non, vous dites vite, vite. En ce moment-là, c'est pas l'hypocrisie. En ce moment-là, c'est les arrêts de débat. Bon débat. Bon, continue, frère. Alors le pasteur et le cultivateur a dit. Oui. Devons-nous arracher l'ivraie? Et c'est quel temps l'on va la mettre toujours à la. Il a dit, vous arracheriez aussi le blé avec elle. Comment on va la mettre, Ango? Laissez les trois ensemble. Dis-la par mon bâton à. Donc il n'y a aucun moyen de séparer l'église naturelle de l'église spirituelle. Moyen de séparer après vous en athée. L'église spirituelle élue. L'église spirituelle est bonne. Appelé à sortir et séparé par Dieu seul. Et Benami est Tabona. Mais séparé par qui? Dieu seul. C'est Dieu qui va l'envoyer à Yougoslavie. Amen. Pas moi. Pas vous. Amen. Je connais une sœur. Amen. J'ai vu faire quelque part. Il y a. Leur garçon était sorcier. Bon, maintenant. Et la sœur ne le savait pas, mais le frère le savait. Ce n'était pas leur fils en fait. C'était le fils de la sœur de la maman. Alors on était ensemble. On était bien.
Il se méfiait quand même de lui parce qu'il était bizarre. Moi, je lui achetais beaucoup de choses ici. Je lui achetais parfois des vestes là que je prenais. Non, je connaissais l'hypocrite ici. Je prends des vestes, des choses, je lui apportais. Alors, un jour, la maman, l'argent commence à disparaître. Miraculeusement dans la maison. Alors, il voulait se fâcher. J'ai dit, viens, ne te fâche pas. L'argent qui disparaît dans ton sac, personne ne le vole. C'est par la sorcellerie que ça disparaît. Il dit, c'est vrai. Il dit, non, on va demander à cette. Il dit, prends des mains. Toi, qui prend l'argent? Oh non, c'est moi. Qui t'envoie prendre l'argent? Non, non, c'est ma grande soeur. Ils viennent, ils sont à la fenêtre. Quand ils arrivent, moi je prends. Parfois à la banque, je prends. Ils cherchent où se passe 5, 2 000 comme ça, disparaît. Il arrive, le conseiller te donne des explications. Donc tu ne comprends pas, mais l'argent est parti. Bon, pourquoi tu fais ça? Non? Moi, on m'avait envoyé. La mission, c'était que toi, tu ne te maries pas. Toi, tu as osé te marier. Alors, je devais maintenant faire tout pour que l'argent que toi, tu travailles ici, tu envoies là-bas. Comme tu n'envoies pas, tu n'envoies plus, tu as beaucoup de charges ici. Ils doivent se servir. Vous voyez? C'est pourquoi tout ce qu'un chrétien fait, il doit le faire avec le discernement. Bon, il faut dire aussi que les gens, parfois, ils exagèrent un peu. On lit moins servitude. Mais, ils n'ont pas toujours tort. C'est-à-dire qu'il y a un juste milieu. Parfois, tu vas te retrouver, tu es ici, tu vis pour les autres. Toi, tu es ici, tu n'as rien, mais là-bas, les gens ont tout. Tu envoies tout le temps, tout le temps. Toi, tu n'as rien, tu as même des têtes. Vous voyez, ce sont des esprits. Et moi j'ai découvert ça. J'étais assis là, il y avait une réunion dans la maison. Après, il parle. Il dit, mais le papa pose la question. Il dit, bon, maintenant tu attaques. Il dit, non, non, j'attaque tout le monde, j'attaque le papa Franco. Lui, je l'attaque beaucoup. Il dit, pourquoi tu l'attaques? Non, lui, il a ramené le feu à la maison. C'est pourquoi on m'a dit de l'attaquer. J'ai dit, attends. Tu sais, un jour, j'étais là derrière le fauteuil. Deux personnes sont venues. Toi, tu dormais là-bas. Je me suis levé, je les ai chassés. Mais toi, tu étais calme. C'était qui? Il dit, non, c'est ma grande soeur qui est au Canada. Et l'autre qui est en Afrique. Donc, ils étaient venus en renfort. Contre moi. Frère. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le soir même, on arrive... La maman de la maison, c'est son neveu. Il dit non, 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 là, on a compté. Ah, il m'a dit. Oh, j'ai dit, sœur, mais il a toujours été ici avec nous pendant des années. Qu'on attend quand même jusqu'à demain. Va... Non, 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 non. Il devient, oh mon frère, soeur, on va faire comment? Hein? Pasteur, assis-moi chaise, pasteur. Tu montres ça la télé. Pasteur, dans mon idée, dans ton poussin, la main n'a pas parlé. Mais avant, tu as toujours la main là-bas, frère. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ne sont pas préparés. Ne soyez pas brutal. Dieu a dit, c'est lui-même qui va les séparer. Laissez le Saint-Esprit les séparer. Amen. Sinon, tu vas casser une famille. Amen. Tu vas casser des gens à cause de ton manque de sagesse. Amen. Amen. Et comme il a dévoilé le secret, on a commencé à le suivre. On va te tuer aujourd'hui, on lui disait ça dans. Je dis, pas Franck, mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit, bon, viens, tu vas dormir à côté de moi. Alors, il avait mis son lit à côté de moi là-bas. Il a dormi, j'ai dit, dors ici, donc ils vont rien faire. S'ils essayent de venir, réveille-moi. Et il avait dormi là. Vous voyez? Donc, il a été
était ici. C'est toi qui l'as élevé depuis l'âge de 3 ans. Et là maintenant, 13 ans ou 14 ans. Et tu vas avoir peur. Attends même une semaine, le temps de faire une démarche. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, si tu n'es pas capable de porter le fardeau, le poids, abstenez-vous. Parce que dans les choses spirituelles, vous devez avoir un cœur bien accroché et les nerfs d'acier. Amen. Bien, continuons. L'église élue appelée à sortir séparée de Dieu. Bon, tout ça, l'église, mon mot élu, oyo et bien ami, et c'est séparé dans mon kibi. Ce sont eux qui comprendront la parole du Seigneur. Signe Yabatouana, c'est quoi? Leur signe, c'est quoi? Ils comprendront la parole de Dieu. Retenez bien ceci. Parce que c'est la parole qui priera toujours. L'esprit attire, l'esprit fait croire, la parole. Amen. Oui. Peu importe combien cela est difficile. Les longtemps. Quand tu venais, tu dis mais on parle d'un pasteur qui est en train de vibrer là-bas. N'a que le talent comme ça. Tu es arrivé, tu as fait semblant d'être un frère ou une sœur. Parce que tu voulais mettre cette œuvre par terre. Moi, je ne le savais pas. C'est la vérité. Mais, voilà, pendant 10 ans, premier chose à prendre, le Saint-Esprit est le seul. Lui, il nous l'a montré. Amen. Ok, continuons. Il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Ah! Oui? Dans le livre des Juifs. Nous n'aimons donc pas penser à ces choses. Bon, on dit que nous sommes à quoi nous passer. Parce que certaines personnes, si je vous l'ai dit, certains ici, vous n'allez même pas croire. Ne vous pas dire, vous ne croirez pas. Bon, maintenant que Dieu soit loué, parce que beaucoup ne supportent plus le feu. Amen! C'est difficile d'en parler, même moi j'ai difficile d'en parler. Hein? Oh, ce n'est pas toi, frère. Bonjour. Oh, renseignez-moi. Bon, on y va. Mais il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Ah! Ils ne seront jamais sauvés. Non? Amen. Prophète. Il sait qu'il ne sera pas sauvé. Bon, on va donner 2 millions pour venir m'espionner ici. Par la Mossad. Tu es assis là. Tu trouves le faille. Quand tu ne trouves pas le fait, tu commences à créer des troubles. Tu commences à susciter des conflits entre les frères, entre les sœurs. Tu veux que je passe à la faute. Tu te forces. Vous voyez? La parole de Dieu précise que toi, tu savais. En venant ici, tu savais. Donc fais attention parce qu'il ne s'agit pas de toi. Je ne veux pas que le diable te trompe parce que le diable c'est un grand menteur. Il va essayer de te tourmenter. Pour que tu dises que le pasteur pense que c'est un menteur. Ici, Frère Branham dit, il le savait. Il le savait. Ok. On y va. Peu importe ce que vous faites. Peu importe Mimi, Bangkokiko Sala. Ils sont très religieux. Ah! Au moins ils disent ça. Ils sont très religieux. Tu es avec lui ou avec elle? Lui ne peut même pas parler un peu, hein, pour digresser un peu, parler un peu, oh nous faillons une danse ou bien Félix. Et... Non, lui ne peut pas parler de ça. Il est religieux. Il est religieux. Vous voyez, ça, c'est pour nous faire croire, c'est pour t'enfumer, pour que tu ne le soupçonnes pas. C'est pour que tu ne la soupçonnes pas. Mais nous,
Ne faites pas peur de la colombe. Qu'elle reste avec nous. Venez ici prier, Seigneur. Non. Reste là. C'est toi notre force. C'est toi le Saint-Esprit. Si tu nous quittes, il n'y a pas d'église. Même si cette salle nous l'offre, c'est fini. Sans lui, il n'y a plus. Amen. Et puis, 20. Le dernier paragraphe ici, avant de prendre ma conclusion. Et l'esprit antichrist est un esprit religieux. Vous voyez, l'esprit antichrist, c'est un esprit dans le football. Donc, c'est un esprit qui est un peu dans le patriote. Non. Bagnac Nano. Non. Vous voyez? Parce que les diables cherchent parfois à mener le débat ailleurs. C'est un esprit religieux. Il aime la prière. Il aime aussi les choses de Dieu. Mais ils ont un indice. On dirait que ce sont des gens qui ne sont jamais satisfaits de la parole. Ce qu'ils cherchent, tu ne sais pas. Vous voyez? Ils sont religieux. L'esprit antichrist. Ne l'oubliez pas, madame, c'est ça. Il dit, n'oubliez pas cela. N'oublie pas cela. Bon. Maintenant, on laisse ça. Prenons pour terminer. Question-réponse sur les Hébreux, prêché en 1957. On va commencer au paragraphe 636, sur la dernière citation. J'ai terminé. Je vous ai dit de rester en place. Pourquoi? Il y a des hommes et des femmes qui s'églissent ou qui s'églisseront. Ils sont comment? Ils sont religieux. Ils savent pourquoi ils sont ici. C'est des agents. Ils ont été envoyés par le diable. Parce que tel que je suis ici, je vous ai dit, moi j'ai déjà été convoqué par le commissaire de police de toute la région ici, M. Pereira. Il dit, c'est vous, M. Mwanda? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, bon, un journaliste de la RTBE, je te cherche. J'ai dit, ah bon, je suis là. J'en parle à mon frère. Il dit, non, pasteur, il vient de ça, puis ça va pas prédicateur d'amis. Non. Bon, il est journaliste, il y a. Il dit, lui, de venir. Mon numéro de téléphone est là. Qu'il vienne. Un jour, ils sont venus à la réunion de Jean-Baptiste. Il dit, oh, bon, Jean-Baptiste, toi, qu'est-ce que tu penses du Messie? Et vous, c'est Hérode qui vous a envoyé. Allez dire à ce renard. Allez dire à ce renard. Je suis ici en Belgique pour deux jours. Le troisième jour, je m'envolerai. Le troisième jour, nous allons nous envoler. Comment éloigner les frères qui arrivent là-bas? Comment mettre une barrière là-bas pour qu'ils ne prient pas? Comment faire? Frère, pendant que nous on est ici, eux ils ne se lassent pas. Des réunions et des réunions. Vous devez le savoir. C'est pourquoi serrons-nous. Serrons-nous les coudes dans l'amour et dans la prière. Vous voyez? Je vous dis ces choses pour que vous ayez le discernement. Amen. Vous-même, vous devez avoir aussi votre propre discernement. Amen. Bon. Maintenant, je parle de quoi pour conclure. Il y a eu une église. Au commencement, la parole de Dieu fut brisée. Et Dieu a envoyé un prophète avec un message. Adam avait brisé la communion avec Dieu. Dieu envoie son messager, c'était lui-même. Il a pris l'agneau, il a versé le sang, il leur a revêtu de peau de bête. C'est dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Maintenant, la Bible dit, Abel et Caïn, ils eurent la pensée
d'offrir des sacrifices à qui? Oh, vous ne le savez pas? Abel avait bâti son autel pour offrir le sacrifice à qui? Caïn avait bâti l'autel pour offrir un sacrifice à qui? Donc les deux, ce sont des adorateurs. Est-ce que c'est la vérité? C'est des adorateurs. Chacun a bâti son autel. Mais vous allez voir, l'autel d'Abel avait des, le sang un peu sale. Mais l'autel de Caïn, propre, avec des fleurs et des fruits, tous maintenant en train de prier. Mais vous pouvez trouver ça bizarre. Mais d'où est venu à Caïn l'idée de prier? Normalement, esprit religieux. Vous voyez? Esprit religieux. Vous êtes impressionné par quelqu'un parce qu'il vient, il prie beaucoup, ou il prie. Non. Soumettez-les au test de la parole. Amen. Ça, c'est le test final. Le test de la parole. Il ne résistera pas. Vous allez voir un frère ou une soeur qui vient au message. Il a 5 ans, 6 ans. Elle a une soeur, elle a envie de prêcher. L'envie ne le quitte pas. Oh, pourquoi la nouvelle il faut battre? C'est un okay, hein? Il faut vérifier la semence qui est là. Regarde nos soeurs. Elles savent qu'elles ne doivent pas prêcher. Elles sont au repos. Elles sont calmes. Cette envie de prêcher, ça se manifeste de plusieurs manières. On dit Pascal Ikambwana, il ne veut pas le dire comme ça. Il fallait le prendre dans cette année-là. Toi, tu es prédicateur. Cette envie ne le quitte pas. Donc la parole ne peut pas trouver la place dans son cœur. Pourquoi? Sa condamnation était déjà écrite. Les élus se soumettront à la parole. Il sait que c'est la parole, c'est Dieu qui a parlé. Je ne permets pas à la femme d'enseigner 1 Timothée 11, ni prendre l'autorité sur l'homme. Mais quelqu'un pendant 6 ans, ça ne le quitte pas. Oh non, mais nous voyons aussi dans d'autres églises, tu vois une maman là, vraiment Dieu l'utilise beaucoup. Elle cherche toujours à contourner la parole. C'est un indice. Je vous donne des indices. Vous allez voir des indices comme ça. Un élu, quand on lui cite la Bible comme ça, c'est terminé. On lui montre le message. Ça règle la question. Alléluia. Et Caïn et Abel, des adorateurs. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand l'onction est descendu sur l'autel d'Abel, cela a entraîné quoi? La jalousie. La jalousie a entraîné quoi? Le meurtre. La haine et le meurtre. Combien de prédicateurs ont essayé de me tuer? Le prédicateur, je dis bien, oh, tu vas pas me copier, c'est moi, on a dit pas avant. Dans notre message, combien? Frère Branham dit, il ne suffit pas de prendre un revolver pour tirer sur votre frère pour le tuer. Il dit, si vous détruisez l'influence de votre frère, de votre soeur, vous êtes en train de le tuer. Meurtrier. D'où leur est venue cette idée? Vous allez dire, non, eux aussi ils prient. Oui. Ils sont religieux. Et s'ils prêchent, ils sont religieux. Mais d'où vient la haine? Jusqu'au point de vouloir tuer? Ça vient d'où? Notre Père n'est pas comme ça. Adam n'était pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Pierre n'est pas comme ça. Mais nous voyons le meurtre dans une lignée. Caïn était comme ça. Son père, le diable, il est comme ça. C'est pourquoi je vous supplie, mes frères. Je sais que l'onction de la haine vous a saisi un peu parce que vous êtes resté trop longtemps à côté du serpent. Comme le serpent n'est plus là, enlevez la haine. Si vous voyez une petite haine contre votre soeur,
n'est pas Dieu. Amen. Même s'il a fait du mal, vous ne pouvez pas être en colère. Hein? Amen. Bon, lui, c'est notre frère quand même, mais ça me fait rire, ça me vient de voir ça. Hein? Non, mon frère, tu es connu, il dit ça. C'est pas le conseil qui t'a fait, tu es connu. Cherche la chose. Ce n'est pas le conseil qui t'a fait, tu es ma colère. Toi, madame, dis-le, le péché qui irrite. Mais quand tu commences à t'irriter contre ton frère ou ta sœur, Nani peut aller à courir pour la sauver.
telle personne allait avoir. Zambe ayebaki Jean yaboli moni mutu alikaki kozala na yango. Oh Seigneur, merci. Continuons. Oui. C'est ça, 37, oui. Et ces esprits sont venus du trône de Dieu. Vous voyez? Ils se tenaient devant le trône de Dieu. Alors, tous ces esprits se tenaient où? Devant le trône de Dieu. Et les esprits des gens qui seraient sauvés, et l'esprit des gens qui ne seraient pas sauvés, tous, on était là devant le trône de Dieu. Moi, j'étais un peu comme Dieu. Avant que le monde ne commence, pensez-vous qu'il ne connaissait rien de l'adoration? Bokalisi, mili mwana oya mabe wana. Bokalisi ba yeli, ba yeli adoration ke. Bino kasi ba yeli adoration ke. Ba saka na rate. Omo na omo, bien aimé. Nde ko to sala mukolo moko kaka pour la masan joli. To ko zwa sal et ko sala uniquement bien aimé pour l'adoration. Parfois même tu peux penser qu'ils aiment l'adoration plus que toi. L'adoration de Jésus. Jésus. Oui, continuons. Ils sont descendus et ils sont directement entrés dans les hommes et ils adorent Dieu. Ah, vous voyez, ces esprits, quand les hommes se sont manifestés, quand est-ce qu'ils sont entrés? Je vous ai dit avant que quelqu'un ne naisse. Quand votre maman était enceinte, ces esprits-là, ils étaient là en train de rôder. Pendant que votre maman était enceinte de vous, il y a des sortes qui venaient, ils tournaient autour. Ils sont descendus. Quand tu es né, Dieu surveille. Il regarde. Il voit l'esprit, voilà, révélé de côté. Dieu dit non, nique ici. Amen. Il voit l'autre là. L'esprit qui avait accepté le message là-bas. Et ceux qui ne devaient pas accepter, tous connaissaient une chose, l'adoration. Comme Caïn et Abel, tous aimaient l'adoration. Donc si tu veux les reconnaître, ça ne sera pas par l'adoration. Par l'adoration, tous paraissent. Souvent, on va voir les gars. Souvent, on va voir les gars. Amen. Oui, continue. Et ils ont une connaissance de Dieu. Connaissance. Tika. Tika. Ils connaissent Dieu. Oui. Ils sont intelligents, malins. Oui. Maniés, malins. Instruits, toujours. Toujours. Mais Dieu les avait rejetés dès le début. C'était quoi? Esaü, à cause de la faim. Oh non, de toi, Denise. Oh non, tu peux l'avoir. Vos histoires du Saint-Esprit là, non, ça ne m'intéresse pas. Donne-moi le plat de lentilles.
Il y a déjà assis là-bas, les choses spirituelles que nous faisons, ça ne l'intéresse pas trop. Amen. Non. Frère, nous nous pleurons pour ça. Amen. 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 Nous saignons cela. Amen. Continue. Ainsi, mes amis, le fait d'être membre d'une église, il y a l'or à la négociation. Le fait qu'il y ait un membre d'une église, ou la connaissance d'une certaine théologie ou autre chose, ou bien une théologie ou doctrine, bon, vous voyez, n'a rien à voir avec la chose. Ça n'a rien à voir. Il faut le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut le sang de Jésus-Christ. Amen. Il faut et une nouvelle naissance si vous suivez sa vie. Il faut que ça aille. Voilà. Dieu au commencement, comme il savait que l'homme et la femme étaient créés en un seul être. Le quoi la femme et la femme, moi c'est un moment qu'il était créé en un seul être. Non pas en deux, ils ont été créés un seul être. Ils ont été séparés, l'un fut placé dans la chair et l'autre dans une théophanie. Déjà écrit dans Éphésiens chapitre 3,
chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Pourquoi? Pour manifester les œuvres qu'il avait préparées à l'avance en Christ. Frère, j'aimerais que vous sachiez cela. Comment savez-vous que Dieu vous a choisi? C'est parce que vous avez cru ce message. Vous avez cru cette parole. Si tu n'as pas encore cru cette parole, c'est une invitation que tu es en train d'entendre. Les choses que tu viens d'entendre maintenant, c'est ce que Dieu avait prêché à ces esprits qui étaient devant l'autel avant que le monde ne soit créé. Certains ont accepté, d'autres l'avaient refusé. C'est pourquoi Dieu les avait rejetés. Mais toi, tu es son fils et sa fille. Ce matin, il t'a parlé. Tu dois rester à ta place. Que personne ne puisse plus te bouger, te secouer pour rien. Est-ce que tu as compris ta place? Reste à ta place. Mais tu vas voir la délivrance que Dieu t'accorde. Que Dieu vous bénisse. Thank you.
dans les peines de vie. Et nous voulons voir prier le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est toi notre Dieu qui nous a parlé encore ces jours. Pendant que nous sommes dans ta présence pour commémorer ta résurrection, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas encore ce que toi tu veux que nous puissions être. Mais nous sommes passés que nous étions hier. Tiens tes enfants par ta main et le Père. Sois simplement notre guide et notre conducteur même dans les moindres choses. Car nous comptons sur toi, le puissant vainqueur, le vainqueur de tous les temps. Et c'est toi, l'Éternel, les armées qui combat pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, nous te demandons de rendre grâce à tous les groupes. Bénis ton peuple encore ces jours. Bénis la parole que nous venons d'écouter, Seigneur Jésus. Que cela puisse produire les fruits en nous, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu tout-puissant. Un jour, tu étais avec les apôtres dans la barre du Père. Ils ont eu peur du vent. Ils ont oublié simplement que tu étais là avec eux. Il suffit de parler. Il suffit de manifester leur désir afin que tu puisses leur délivrer, Seigneur. Mais ils étaient simplement distraits. Mais quand tu t'es levé, pendant que tu étais avec eux, tu as simplement élevé ta main et dit, arrête-toi la tempête. Seigneur Jésus, si tes enfants ils ont perdu confiance en quoi que ce soit, aidez-leur simplement de comprendre que tu es ici. Là où tu es, il y a la victoire. Là où tu es, il y a la délivrance totale. Là où tu es, Seigneur, il y a la lumière. Nous te disons simplement merci. Et nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme tu as dit dans ta parole, Seigneur, si l'Éternel ne garde une ville, c'est lui qui la garde et la garde en vain. Seigneur, c'est toi qui as gardé chacun de nous ici. Mais n'importe, Seigneur Jésus, les flèches que nous avons reçues. Mais n'importe, Seigneur Jésus, ce que l'ennemi a voulu faire, Seigneur. Mais tu nous as délivrés. Car tu es notre barrière. Tu es l'Éternel des armées qui combat pour nous. Nous te sommes simplement très reconnaissants. Nous te faisons encore confiance. Nous savons que ce que nous ne voyons pas, toi tu le vois pour nous. Sois le meilleur et le véritable conducteur pour nous. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Bénis mes bien-aimés frères et sœurs, Seigneur Jésus. Bénis nos maisons, Seigneur. Aidez-nous simplement, Seigneur, à nous consacrer à toi, jour et nuit. Et à se sanctifier, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Nous remettons les services de Dieu, les offrandes, entre tes mains, Père. Nous prélevons cela afin que notre service soit complet. Bénis ces services, Père, pour voir aux besoins de tes enfants, pour voir aux besoins de nos maisons, Seigneur, que ton nom soit loué et béni à jamais. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur. Nous remettons ton Père entre tes mains. Accompagne chacun.